Bonjour et bienvenue dans ces cinq minutes d'information. Le coronavirus en Côte d'Ivoire, quel est le point de la situation Hier samedi, le pays a enregistré de nouveaux cas de contamination, mais aussi de nouveaux guéris. 34 nouvelles infections de COVID-19 ont été recensées. Portant à 1111 le nombre de cas confirmés et 449 guérisons, le nombre de décès, 14, lui, n'a pas évolué et c'est tant mieux. Vous entendrez le directeur général de la Santé dans le 13h. Le chef de l'État vient de faire un important don de vivres et de produits d'hygiène au royaume baoulé. C'était à Sakassou, la capitale traditionnelle et le siège du royaume. Un don porté à la reine Akwaboni II par Jeannot Kwadioaoussou en présence des chefs cantons et des préfets de région du Grand Centre. Le président du Sénat était accompagné d'élus et de membres du gouvernement. Pendant ce temps, ici à Abidjan, la Chambre de commerce et d'industrie de France en Côte d'Ivoire faisait elle aussi un don au ministère de la Santé dans son combat de tous les jours contre l'épidémie de coronavirus. Selon Sidonie Davila, qui était sur place, le don est composé de véhicules, de matelas, de, protex, de, matelas, de masques de protection et de gants. Son témoignage. Partenaire solide de la Côte d'Ivoire, la France continue de se mobiliser pour la riposte contre le Covid-19. Entreprises et communautés françaises réunies au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie France Côte d'Ivoire mettent à disposition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique plusieurs lots de matériel et d'équipements sanitaires une ambulance, un véhicule, des matelas, des masques, des gants, pour ne citer que cela. La Chambre de Commerce s'inscrit dans euh dans une activité de soutien aux entreprises pour que, euh, même en période difficile, euh, on puisse continuer à, à s'entraider et pouvoir euh, continuer à travailler. La France soutient euh, le plan euh, Covid de la Côte d'Ivoire parce que c'est un très bon plan et nous sommes très fiers d'être le premier bailleur bilatéral pour ce plan à hauteur de 30 La valeur de tous ces dons, 68 912 000 francs CFA. C'est un acte fort que vous venez de poser. Vous l'avez dit, le plan de riposte euh, mis en place, le plan de riposte contre le Covid-19 par euh, son excellent le président de la République et qui est conduit par le Premier ministre comporte, comme vous le savez, deux volets. Euh, le volet est plan de riposte sanitaire et l'autre volet, c'est le plan de riposte économique, social et humanitaire. Les deux vont ensemble euh, parce que. Après la euh, COVID-19, il va falloir vivre et, et permettre surtout aux entreprises de vivre. Pour préserver les acquis économiques et sociaux, la Chambre de commerce et d'industrie France-Côte d'Ivoire encourage la population à respecter les gestes de sécurité sanitaire. Il n'y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du coronavirus et qui ont des anticorps soient prémunies. Contre une seconde infection, c'est ce qu'a indiqué hier l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans un communiqué. Il n'existe donc pas de preuve que les personnes testées positives au nouveau coronavirus soient immunisées et protégées contre une réinfection. L'OMS estime que la délivrance de passeports immunitaires risque de favoriser la propagation continue de la pandémie. L'Afrique du Sud entre ce week-end dans sa cinquième semaine de confinement, mais les habitants de certains bidonvilles du pays ont pourtant vu leurs abris construits illégalement être démolis par les autorités, notamment au sein de la communauté de Lowley au sud de Johannesburg. Le maire de Joburg s'est défendu de toute expulsion. Les fourmis rouges, le nom donné à cause de leur tenue aux agents spécialisés dans la démolition d'habitations informelles, ont agi, selon lui, pour arrêter l'invasion illégale des terres. Les séparatistes du Yémen ont déclaré ce dimanche 26 avril l'autonomie de la partie sud du pays déchirée par la guerre, ce qui brise l'accord de paix avec le gouvernement et aggrave le long conflit avec les rebelles houthis qui contrôlent une grande partie du nord. Mobilisés depuis longtemps pour l'indépendance, ils avaient pourtant signé un accord de partage du pouvoir à Riyad en novembre. L'accord mettait fin à une bataille pour le sud qui les avait vus prendre le contrôle de la deuxième ville du pays, Aden. Fin de ce flash, rendez-vous tout à l'heure à 13h. Le magazine du dimanche sera consacré aujourd'hui au télétravail. Nous allons tout savoir sur ce mode de travail à distance. Euh, notre invité s'appelle Jiré Souley. il est directeur d'exploitation à l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. On oh, sait à ne pas manquer, c'est à 13h et c'est sur RTI.